Allô tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Alors aujourd'hui, on y va avec l'épisode 1 de ma partie de Ivorain, donc avec le Ivory Sword, donc l'épée d'ivoire. Alors tout simplement, j'ai laissé ça où ce que j'en étais. Donc au début de la partie, je dois positionner mon bateau dans une direction que je le veux bien. Donc je vais le mettre en direction de l'épave, tiens. Voilà, donc j'ai décidé de faire une partie à l'acte 3, mais en fait jusqu'à 12 ici. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bref, alors allons-y sans tarder. Donc, on y va avec la quick référence. Donc voilà, alors je dois remettre trois ordres, donc ça j'en ai pas. Ensuite, je fais mes tours. Donc on y va. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, premièrement, ah oui, une règle que j'ai oubliée. Si à la fin d'un tour, on laisse des membres d'équipage sur le deck, sur la passerelle, ils subissent un de strain, un de fatigue à cause de la pluie, puis des vents forts, puis du froid. Et une autre chose, c'est qu'une fois que j'ai fini mon tour, je dois piger une carte de mer et de faire qu'est-ce qui est écrit dessus. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, on y va. Donc, c'est mon tour. Donc, je vais déplacer un membre d'équipage. Donc, en déplaçant mon membre d'équipage, je vais prendre mon jack numéro 1. Puis je vais le mettre sur un élément de navigation. Puis je vais ensuite naviguer. Donc là, j'ai deux points. Alors, je vais faire 1 et je vais me réorienter. Et donc lorsque j'arrive sur une épave, je dois tout simplement lancer un dé de fate. Alors, un dé de destin sur la table des spoils. Donc 6. C'est celle au-dessus. Alors j'ai un schéma d'artillerie. Donc ça ne veut pas dire que je dois le placer quand même sur... je vais devoir quand même le placer sur un des trois espaces qui est là. Mais du côté schématique, donc en envers, lorsque je vais le piger. Et c'est tout simplement lorsque je vais aller au port, si je m'en vais au shipwright ici, je vais pouvoir installer un schéma tout simplement. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on va y aller. Alors, je prends le premier sur le dessus. Je regarde. Donc, c'est un schématique qui est de Rusted Saker. Donc, ça me permet de tirer sur soit le port ou le. Soit sur bâbord ou tribord. Donc, là, il faut que je choisisse où je vais le placer. Donc, je vais le placer sur le bâbord, sur le côté schématique. Donc, là, je ne peux toujours pas l'utiliser. Et je mets un petit X ici pour dire que j'ai terminé. Et je vais prendre une troisième action. Je vais révéler pour un point de navigation, parce que là j'ai deux points de navigation, une carte. Donc ça va être ça ici. Alors ici on a le port de Grimsey et on a d'autres shipwrecks, donc d'autres épaves, et on a une rough sea, donc une mer agitée là. Il me reste un point, je vais traverser tout juste ici, ce qui va mettre fin à mon... Non, je ne mettrai pas fin à mon tour de cette façon-là. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre un autre crew, puis je vais transférer le crew que j'ai à bord de mon bateau, je vais le ramener à bord de Below Deck, donc sous la passerelle, pour m'assurer qu'il ne prend pas de... Ah non, c'est pas vrai. Je vais le laisser là. Et donc là, vu qu'il reste à l'extérieur,
Il prend un strain, ce pauvre ami. Donc les strains, on commence toujours à droite et on va vers la gauche. Le trauma de gauche, on va vers la droite. Et lorsque les quatre sont remplis, notre membre d'équipage meurt d'une façon, je dirais pas atroce, là, mais il meurt. Hein? On va le dire, il meurt. Donc je vais avec la carte. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai un choix. Alors, on va essayer de traduire ça, mon ami. On va essayer avec Google Traduction. C'est la première fois que je vais faire ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il me semble que je l'avais installé. Oui, Google Traduction. Téléchargement en connexion. C'est pas ça. Appareil photo. Est-ce que ça va marcher? Oui, je sais que c'est écrit choix. Hey. Alors, vous êtes réveillé par les sons faibles mais indéniables de quelqu'un qui pleure, prêt à réconforter un marin nostalgique. Vous êtes surpris par ce qui vous accueille sur le pont, un spectre flottant. Peut-être communier avec l'esprit élucidera la situation. Donc, les choix, il ne faut pas que je regarde qu'est-ce qui est à côté. Donc, les choix, c'est parler avec l'esprit. Donc, là, il faut juste pas regarder les... Parler avec l'esprit ou le laisser faire. Donc, on va essayer de parler avec l'esprit. Donc, c'est écrit, soudainement, conscient de votre présence. L'esprit chuchote « Oh, Charles! » et il disparaît. Donc, c'est écrit un petit 52. Donc, déjà, je ne sais pas si on va pouvoir le voir honnêtement. Un petit 52 écrit là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je place cette magnifique carte dans ici dans ma story. Je m'en vais dans le carte de story chercher la carte 52. Sans la regarder, la main en l'envers, sans la regarder, je mets ça sous les ongoing stories. Et donc, c'est lorsqu'on va arriver un petit symbole de livre dans les découvertes que c'est lorsqu'on va placer ça sur le deck correspondant. Voilà. Donc, là, je suis en train de faire l'histoire. Pendant que je suis en train de faire celle-là, normalement, on n'est pas supposé en faire d'autres. À moins d'avis contraire, ça c'est encore Patrick qui va pouvoir me le dire. Bref, c'est le tour de l'ennemi ancien et c'est pas réveillé. Hein? Ça c'est évident. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'ennemi sur le deck, il n'y a pas d'ennemi ici non plus. On avance l'agenda, donc c'est 2 plus 1 par joueur, donc c'est 1, 2, 3. Alors on est rendu à 3. Alors, et c'est le début du prochain round. Donc au début du prochain round, je dois prendre 3 ordres de mon choix, les remettre dans ceux qui sont disponibles. Et remove fatigue. Oh, ça c'est quelque chose que je suis pas sûr. Là. Bon, Gathering Clue. Pas ça. End of an act. Your ship. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, ah oh oui, c'est ça. La fatigue, finalement, c'est ces petits jetons-là, là. On va le voir d'un petit peu près. Donc, voilà. Parfait. Donc là, c'est encore à mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis prêt à aller au port tout de suite? Ouais, je dirais que non. Ce qu'on va faire, on va utiliser un crew. Alors, on va l'envoyer ici. Alors, là, on ne l'a pas vu.
Donc, j'ai envoyé un crew tout simplement sur un autre point de navigation. Alors, vous me voyez venir. Je vais prendre un ordre de navigation juste ici. Et on va avancer de 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Puis, je vais le faire une deuxième fois. Pour faire 1, 2 et 3 pour me réorienter. Et là, je suis sur un shipwreck. Je lance mon dé. Alors, c'est 6. Alors, une autre schématique d'artillerie. Donc, oh, des Commanding Basilisk. Donc, je vais pouvoir le mettre à tribord. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce que je fais autre chose? Je vais utiliser un crew pour ramener lui. Ah, j'ai fait une erreur tantôt. Tantôt, il fallait que j'en amène un là. Donc, il y en a un qui me manque. Donc, lui, pour de vrai, il a arrêté ici tout à l'heure. Je vous explique. J'ai fait une petite erreur. Ah, je suis pas fier de moi. Donc, essentiellement, tout à l'heure, quand j'ai exploré, j'ai oublié de déplacer un de mes crews avant sur la vigie. Alors, on va le faire dehors, là. Donc, j'ai oublié de le déplacer sur la vigie, qui a fait en sorte que je pouvais pas explorer. Donc, là, ce que je vais faire, je vais déplacer ça sur la vigie. J'ai pris un de mes crew order, je l'ai mis là. Et j'ai rajouté un strain à l'équipage en tant que tel. Vient du pareil au même. Donc là, après, je l'avais transféré. Ce qui fait en sorte que là, je ne peux pas les ramener. Donc, à la fin du tour, chacun prend pas une fatigue ou un épuisement, on va dire ça comme ça. Un strain. Et essentiellement. On va faire ça. Alors, vous auriez pu jurer que votre voie navigation de votre course là, votre course n'était pas tout à fait juste et votre destination proche. Mais il apparaît douloureux. Il y a une apparence douloureuse maintenant que vous êtes perdu. Alors des nuages noirs vous entourent de toutes les côtés. Ben, en fait, vous entourent de tous les côtés. Ils ont mort à pleines dents dans vos convictions. Peut-être que changer de course, changer de cap serait prudent. Alors, est-ce que je fais un sail on, donc je continue, ou je change de voie? Non, je continue ma course. Alors, les nuages se séparent et rapidement, aussi rapidement qu'ils sont apparus, et vous redécouvrez votre voie. Donc, on fait un ordre de navigation libre. Ce qui va me permettre de les amener au port. Excellent. Donc, je vais faire 1. Je ne pourrais pas faire ça. Donc, ça va s'arrêter là. Puis, donc, j'arrive au port. Mes coups peuvent aller au port. En allant au port. C'est celle-là. Alors, ils peuvent aller au port. Donc, on est à. Comment ça s'appelle? Grimsea. Donc, essentiellement, je tourne le Denizen ici. Donc, c'est un capitaine sous. Alors, c'est une alternative. Donc, alors, c'est le capitaine qui parle. Il dit, j'ai toujours été sévère, mais juste. J'ai traité chaque homme et chaque femme comme un égal. Mais ils ont questionné mon leadership. Et
Mais questionnez mon leadership et vous allez perdre votre temps et vous allez perdre votre temps et vous allez prendre un peu de temps avec la fille du capitaine. Moi, je comprends pas pourquoi. Alors, vous voyez, la clé pour avoir le meilleur de son équipage est bon. Ça va prendre un temps pour vous l'expliquer. Achetez-moi quelques boissons je vais vous l'expliquer. Alors, c'est écrit acheter des ordres fleeting, donc pour 10 coins each. Là, l'affaire, c'est ça, ça va me coûter. Ça va me coûter ici. L'installer, ça ne me coûte rien, celle-là, c'est drôle. Ça va me coûter la moitié, donc ça va me coûter round up, donc 10. Donc, on va payer 10. Aller chercher un fleeting order. C'est tout. Donc, il se retrouve dans la défausse. Et là, mes crew peuvent aller. Donc, il y en a un qui va aller au shipwright. Puis, il y en a un. Il y en a un qui va aller au Higher Crew. Donc, pour avoir un petit peu plus d'équipage, ça pourrait peut-être être utile. Donc, essentiellement, je peux installer des schematics. Donc, celui-là, vu qu'il ne coûte rien à la base, pour les installer, ça coûte la moitié. Donc, la moitié de zéro, c'est zéro. Donc, j'ai des vieux canons rouillés du côté bâbord. Et celui-là va me coûter 10. Donc, c'est la moitié arrondie à la valeur supérieure. Donc, sur le côté tribord, je vais avoir des Commanding Basilisk qui tirent quand même assez loin, on s'entend. C'est quand même très intéressant de ce côté-là. Et l'autre, c'est écrit prenez trois crew. Alors, je prends les trois du dessus. Alors, je les mets devant moi. Donc, on va les mettre, tiens, ici. Alors, j'ai un navigateur, j'ai un autre deck end, ou encore j'ai un autre deck end. Donc, le navigateur, lui, il a la capacité Wayfinder. Ils sont toujours un petit peu plus forts, mais ils coûtent un petit peu plus cher. Alors, lui, avec son Wayfinder, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est. Oh! Alors, les tuiles de la carte peuvent être révélées sans qu'il y ait un membre d'équipage dans la vigie. Et ça coûte aucun point de navigation pour le révéler. Donc, je pense qu'on va y aller avec lui. Il coûte 10. Donc, il va me rester 10. Donc, ces deux-là vont en dessous de la pile. Et là, on va faire le petit trou. Et vu qu'il y a un espace ici, je dois aller chercher une carte de trait négatif. Donc, il est Burdensome. Donc là, je le place ici. Alors, il est Burdensome. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire dans la vie. Alors, burdensome. Alors, c'est moins un au résultat du dé de destin lorsqu'il lance les services. OK. Ah oui, parce qu'il y a des endroits qu'il faut lancer un jet. OK, ouais, je comprends. D'accord. Donc, voilà. Et là, je dois aller chercher sa figurine du navigateur. Le navigateur, il ressemble à ça. Navigateur. Mon Dieu. Non, c'est un gars qui se tient sur un. Ok. Ça, j'ai pas vu ça. Navigateur. Ah, il est ici.
c'est une figurine. Donc le navigateur, je peux le mettre où ce que je veux. Donc voilà. Alors ça c'est fait. Donc là, mes crew peuvent revenir à bord du bateau. Puis là, qu'est-ce qui est magnifique, c'est que là, je leur ai enlevé du strain, mais finalement, ils n'en perdront pas. Parce qu'ils ne sont pas restés sur le bateau. Ça, ça s'en va là. C'est une des meilleures choses que je pouvais pogner. C'est excellent, 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 excellent. Donc là, je vais juste vérifier si tout est beau, tout est beau. Donc on est rendu à faire la phase de l'ennemi. Donc il ne s'est pas réveillé, il n'y a pas de tempête. Il n'y a pas d'ennemi sur le deck, il n'y a pas d'ennemi à ici. Alors on avance l'agenda de 3, on est rendu à 6. Et c'est au troisième ronde. Alors, ça va être rendu au troisième ronde. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien, OK. Alors, je récupère 3. Donc, je vais en prendre un comme ça. 2 crew, je pense. De toute façon, j'ai un fleeting order, donc il peut me dépanner. Puis là, le navigateur, lui, il y a Wayfinder, comme on disait. Meilleur stat, Burdensome, Quarterly, Spirited. Donc là, il ne faut pas que j'oublie les capacités de chacun. OK. Tuneful. Oh! C'est vrai! J'ai oublié. Lui ici, il est Tuneful. Donc je devais prendre un Shanty, un trésor que la capacité Shanty ou la catégorie Shanty. Donc là, on en regarde un par un. Ça c'est une commodité. Ça c'est une commodité. Ça c'est une relique. Alors ça c'est un trinket. Alors commodité. Commodité. Mon Dieu. Commodité. Commodité, the Adrian Map, commodité, trinket, hey. Bon, alors, ça, j'ai remélange. Donc, essentiellement, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Donc, ici, j'ai trouvé un All Away Joe. Donc, ça va être une pièce de musique, finalement, là. Des partitions. Alors, je peux l'utiliser pour que tout mon crew reprenne un strain. Alors, Tide's Mouth, ça vaut 0. N'importe où, je peux le vendre à moitié de 5, donc ça va être à 5. Ou je peux le vendre aussi à Blight Water pour 15. Donc, Blight Water, que je ne sais pas en tout c'est où encore. On s'entend. Donc là, je mets ça dans mes trésors tout juste ici. Donc, je peux en avoir 3, je vous rappelle. Là, j'ai toujours pas augmenté. La Discovery. Là, va falloir que ça se fasse. Va falloir que je trouve des clous. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas supposé en avoir. Donc, celui-là en donnait 2. Donc, j'ai complètement oublié de prendre ceux du. Oh boy, là, j'entends Patrick Richardin là, en train de grogner là, dans sa salle de cuisine, en train de nous écouter, en train de m'écouter. Je disais, Stéphane, t'as oublié ça! Ben oui, je l'avais oublié. Bon, bref. Alors, on y va. Donc, je vais déplacer un crew. Je vais déplacer mon navigateur qui va aller ici à l'arrière au stern. Ensuite, je vais prendre une navigation. Donc, je peux me déplacer de 2. Donc, je révèle, je n'ai pas besoin d'être dans la vigie. Puis ça ne me coûte rien pour la nouvelle map. Donc, là, on ne l'oubliera pas. Ça me donne un indice. Et je révèle
Ça ici, donc, oh, c'est Tide's Mouth. Donc, la bouche des vagues. OK, donc là, j'ai deux. Je pourrais aller à la bouche des vagues, puis me faire encore un trésor gratis. Peut-être de l'argent. Là, je crois que... Ça ici, j'ai pas mis mon. Donc, je vais faire 1, 2. J'arrive au port. En arrivant au port, là, vous avez pu voir, j'ai pas pris de carte de mer parce que j'avais arrêté à Grimsea. Donc, je pense que là, vous l'avez compris. Là, je suis à Tide's Mouth. Donc, je révèle ça ici. Donc, un Struggling Merchant. Donc, Struggling Merchant. Je vais voir qu'est-ce que ça dit. Oh. Parce que là, c'est pas évident. Je vais vous le dire. Un marchand sans stock est à peu près aussi utile qu'une théière en chocolat. Montrez un peu de pitié à un vieux commerçant et vendez-moi des marchandises, voulez-vous? Alors, vendez jusqu'à deux trésors pour leur valeur souhaitée. OK, donc, faut pas oublier qu'en rentrant, grâce à ce deck-end-là, je me faisais un trésor. Qui est un ta. Non, il faut que ça soit un shanty. Ah, hein? Oh, Seigneur. Ah. Oh. Non. 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 Shanty. Donc, j'ai Roll the Old Chariot. Donc, on s'entend, c'est encore une pièce de musique. Donc, je me suis fait une magnifique pièce de musique. Donc, je vais te remélanger ça encore une fois. Là, ce qui est plate, c'est que là, il dit ici, je peux vendre jusqu'à deux trésors de la valeur désirée. Sauf qu'à Tide's Mouth, c'est zéro. Hein? Donc, ça vaut absolument rien à Tide's Mouth. Et là, qu'est-ce que je fais? Alors, premièrement, mon numéro 2 ici. Mon numéro 2 ici. Va aller jouer de l'argent. Donc, va aller jouer 5 pièces. Donc, il me reste 5. Puis, il reprend tout son strain. Donc, on va se rapprocher un peu. Et là, je lance un dé. Mais là, à Contemptible, je crois que je dois lancer deux fois le dé, puis prendre le dernier résultat. Alors, soit 7. Ou au final 4. Donc, je perds. Donc, je perds même l'argent qui restait. Donc, il a foutument perdu tout notre argent. Le pauvre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? J'ai pas vraiment l'argent. J'ai pas vraiment d'argent, donc je peux pas aller me faire de l'argent là. Donc ça va s'arrêter là. C'est aussi ridicule que ça. Donc le marchand revient là. Lui revient à bord du navire. OK. Est-ce que je continue? On va continuer à explorer. On va utiliser
mon fleeting order. Donc, on va revenir à ça ici. Donc, j'ai deux points, mais là, je peux révéler celle-là sans problème. Je suis rendu à 4 clous. Puis là, ici, c'est Festerbury. On a une île devant nous qu'on pourra aller explorer. Donc, avant d'avancer, je vais prendre... non. J'avance de 1 ici. Je vais envoyer ce crew-là ici en expédition. Et là, vu que c'est une expédition... Oups, ça, là, on ne le voyait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris mon numéro 1. Je vais... Ah non, pas le numéro 1. T'es-tu malade? En expédition, je vais envoyer mon navigateur. Tiens. On va aller envoyer mon navigateur en expédition. Et donc, mes amis, première carte d'expédition. Allons voir ce qui se passe. Donc, la fumée révélatrice d'un campement résonne au loin, alors vous vous efforcez de vous diriger vers le site et de voir ce qui peut être déterminé par quiconque peut le peupler. C'est bizarre ça. Mauvaise traduction, je pense. La petite collection de tentes vue à l'approche, mais alors que vous approchez de près, OK, je recommence. La fumée révélatrice d'un campement est au loin, alors vous vous efforcez de trouver le site et de voir ce qui peut être déterminé de quiconque peut le peupler. La petite collection de tentes semble banale à l'approche, mais à mesure que vous vous approchez, le tissu taché de sang devient net. Donc, je dois faire un test d'expédition. Alors, lui, il y a 5. Si on va voir ici, alors mon cher ami ici, il y a 5. Puis là, il y a Bird and Sums. Ça, c'est moins 1. Non, ça, c'est engager des services. OK. Fais mon jet, ça me prend 5 ou moins pour réussir. Alors, je viens de rater de façon magistrale. Alors, les horreurs sont si lourdes pour votre estomac. Alors, il souffre d'un strain parce qu'il vomit. Alors, pauvre petit. Et... je mets cette carte-là dans la défausse, tout simplement. Alors, voilà. Alors, une expédition complètement ratée, les amis. Une expédition complètement ratée. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses là? Non, je pense que j'ai assez utilisé d'ordre là. On va se calmer un peu les nerfs. Donc, tous mes amis sont en bas. Je suis sur une île. Donc, je crois, je ne suis pas sûr que je dois tirer une carte. On va aller voir ça. Alors, est-ce que je dois prendre une carte? OK, Running Numbers, Count Symbol, Discovery Track. Il est là. Carte d'artillerie. Où est-ce que c'est écrit ça, donc? Expedition Card Sea Event. OK. J'en prends une si je suis sur la mer calme, la mer agitée, des épaves ou des épaves. Donc, essentiellement, j'en prends pas. Alors là, c'est l'ennemi. Alors, essentiellement, il n'y a rien qui se passe de son côté. Alors, ça augmente encore de 3 ici. Donc, l'agenda augmente encore de 3. On est rendu à 9. Alors, il s'approche de découvrir des choses. Alors, c'est ce qu'on veut pas.
C'est moi qui vais découvrir des choses. Et là, c'est un nouveau tour, donc je vais prendre deux navigations, puis je vais prendre un crew qui va revenir. Je vais déplacer un crew qui va être encore mon navigateur. Ensuite, je vais prendre une navigation. Donc, je vais avoir deux points. Alors, deux points, je vais faire un. Je vais découvrir, grâce à mon navigateur, ça va bien. Ah, c'est donc bien de la chenoute, ça. Fait un. On va aller par le 2. Deux. Alors, on va prendre ça ici parce que je ne. Je me déplace pas encore. On va se déplacer encore de 2. Alors, un. On va en chercher un autre. Oh oui, c'est vrai. Ça allait me donner combien? Ça allait me donner un. Celle-là va me donner 2. C'est le temps que j'aille dans une université, c'est ça que ça veut dire. J'ai un altar là, mais est-ce que ça me tente de me battre tout de suite? Le Wayfinder du navigateur, est-ce que je peux le faire plusieurs fois? Que je peux le faire plusieurs fois. My time will be without a crew in the crow's nest and does not cost. Non, il n'y a pas de limite. Fait que essentiellement, ce qu'on va faire, c'est que on va découvrir ça ici. On va tourner de 1. On va découvrir celle-là aussi. Donc, ça va me donner 2 clous encore. Alors, ne t'empêche-toi pas, Patrick. De déterminer, je suis en train de faire des erreurs absolument épouvantables. Donc voilà. J'ai un bateau ennemi qui apparaît ici. Donc, premier sur le dessus. Le bateau ennemi est un croiseur malin. Donc, on va essayer de rapprocher ça, tiens, ici. Croiseur malin, donc il tire sur ses deux côtés, c'est ça que ça veut dire. Donc il tire où il y a des X. Et sa destination, c'est l'île, la seconde île la plus proche. Alors, lui, il est ici. Alors, j'ai une, deux. Ok, elle, c'est la plus proche. Ensuite, c'est une de ces deux-là. Donc, on va déterminer que c'est celle-là, mettons. Donc, on va le placer comme ça. Donc, on place la carte pas loin. Alors, on va revenir à ça ici. Donc, j'ai déterminé. Alors, il y avait une île ici. Donc, l'île la plus proche à part ça va être celle-là. Donc, j'ai déterminé ça comme ça. Puis, voilà. Alors, je l'ai mis à la carte pas loin pour s'en rappeler. Puis, moi, je peux-tu l'attaquer? Que, essentiellement, je pourrais essayer de l'attaquer parce que il me reste un ordre d'attaque, mais j'ai pas. Oh, faudrait que je l'attaque de derrière, puis vu que mon navigateur est en arrière, non, ça marche pas mon affaire. Bon, alors je suis en mer, alors, je prends une carte de mer et on va lire ça. Hein? Alors, vive Google Traduction. Un peu, on va mettre ça plus dans l'autre sens, comme ça va peut-être être plus facile. Un navire s'approche à une allure incroyable, mais alors que vous vous préparez pour un engagement, il arrête brusquement sa charge et déploie un petit canot pour assurer une liaison avec vous.
pour garder ses eaux et un péage est dû pour tous ceux qui passent afin que nous puissions maintenir un endroit sûr pour tout en ces temps sombres. Alors, j'ai des choix à faire. Donc, soit que je paie, ou encore je renvoie l'émissaire. Donc, je vais renvoyer l'émissaire. Alors, les coureurs retraitent au premier signe de défiance. Tous les membres d'équipage. Tous les membres d'équipage reprennent un strain. Puis, j'ai la story 46 que je dois mettre en dessous. Donc, story 46. Ah, ça c'est 48, 47, 46. Alors, je mets ça ici en dessous. Voilà. Alors, je suppose qu'il y a une histoire qui va avec ça. Et c'est pas mal la fin. Mon navigateur prend un strain parce qu'il est sur le deck à la pleine pluie battante. Et là, il va avec l'ennemi. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de tempête. Il n'y a pas de on-deck. Mais à Tissi, il y en a. Alors, il s'active. Donc, là, on regarde sur sa carte. Sur la carte, ici, il y a un petit 3. Alors, on va essayer de le rapprocher. Donc, il y a un petit 3, là, on ne le voit pas très bien, là. Ça, c'est la distance. Si je suis en dedans de cette distance-là, égale ou en dedans de cette distance-là du bateau, qu'est-ce que ça fait, tout simplement? C'est que là, il va me poursuivre au lieu d'aller à sa destination. Donc là, je lance le nombre de dés qu'il y a sur sa carte. Donc, c'est 3 dés dans son cas. Et là, chaque symbole de pieuvre, il se déplace. Et les symboles... Domen, il active son Special Ability, mais il n'y en a pas. Eux autres, ils n'en ont pas. Donc, essentiellement, il se déplace deux fois ou attaque tout simplement, tout dépendant s'il pourrait m'attaquer de la façon qu'il positionnait. Non. Donc, il va se déplacer dans ma direction et essayer de se positionner pour pouvoir m'attaquer la prochaine fois. Donc, comme ça. Un, deux. Ouais, ça a bien du sens. Alors, le Omen ne sert à rien. Alors, il n'y avait pas de dé qui disait qu'il attaquait. Donc, on est rendu là. Ensuite, on avance l'agenda de 3. Donc, on arrive à 10. Le Discovery ici avance de 1 pour les Merhans. Et il revient tout simplement à 0. Et là, les cartes qui étaient en dessous. Du ongoing, on les met de travers sur le deck correspondant. Alors ça, c'est les prochaines cartes que je vais devoir piger. C'est ça que ça veut dire. Alors c'est pas plus compliqué que ça. Ça va être les cartes que je vais devoir piger. Bon, ça c'est beau. Donc ça va être le prochain round, tout simplement. Donc ça va plutôt bien. Ok, donc on va reprendre mes deux navigations. On va prendre un crew. Et là, regardez bien ça. Première chose que je vais faire, c'est que je vais tirer sur le bateau ennemi. Donc, je vais premièrement déplacer mon navigateur en avant. Puis, je vais utiliser mon attaque. Alors, de devant. Alors, mon attaque de devant. Si je reprends où mon bateau. Donc, si je la casse directement en avant, c'est 3 de dégâts. Donc, essentiellement, je vais lancer 3 dés d'attaque. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, puis si je ne l'élimine pas, parce que là, si on va voir ses points de vie, il a 4 points de vie plus le nombre de joueurs, donc 5 points de vie. C'est quand même assez important. Surprendrait que je fasse autant de dégâts. Donc, je lance 3 dés. Alors, ça, c'est la première chose qu'on fait.
Et là, comme vous pouvez voir, j'ai deux dés qui n'ont rien donné. Donc, c'est un des pires calamités que je pouvais faire. Donc, j'y fais qu'un seul point de dégâts. J'y fais un point de dégâts. Et lui, en retour, là, il est positionné d'une façon qu'il peut riposter. Donc, il riposte avec le nombre de dés qui est écrit là, 3 moins 1. Donc, avec 2 dés. Et donc, là, je ne me rappelle pas si lors de la riposte, il peut bouger. Parce que là, on a pogné. Ah, mais c'est deux bougés. Donc, ça se transforme en attaque dans son cas. Donc, il va me faire un attaque, un point de dégâts, essentiellement. Donc, et là, pour le faire sur mon bateau, je lance le Fate Die. Puis, ça va terminer l'endroit. Donc, c'est à 10, à 0. Alors, c'est exactement là où ce que le navigateur il est. Alors, en avant, les canons à revol. Bam! Et lorsque c'est touché ou ce qu'il y a un membre d'équipage, est-ce que ça change quelque chose? C'est la première fois que ça m'arrive. Donc. Destroying enemies and spoils, c'est pas ça. Combat on deck, c'est pas ça que je veux. No disruption. Non. Oh my god, c'est où ce que c'est écrit? Ok, donc. Ah, c'est ça. Lorsqu'on a un membre d'équipage sur un endroit qui est détruit, il subit un de trauma. Donc, mon navigateur reçoit un de trauma. Donc, il est blessé. C'est ça que ça veut dire. Mon navigateur il est blessé. Ça, il explose. Donc, ça va pas super bien de ce côté-là. Là, je pense que on va s'en aller de là. Donc, on va faire. Oh boy, c'est juste un. Hein. Donc, je vais faire un. Oh, let's go. Deux. C'était une bonne affaire de faire ça, je suis pas sûr. Je vais utiliser mon CC. Alors, toutes mes crew recover one strain. Donc, ça va aller là. Ça va pas bien. On va le dire. Donc, essentiellement, lui est encore sur le deck. Donc, il pogne un strain. On est en pleine mer. Donc, on prend la première carte ici. Et là, c'est la suite d'une de mes deux histoires. Donc. Ok. Hey. L'esprit en pleurs a continué ses visites nocturnes. Bien que ses lamentations ne s'apaisent pas, elle devenait plus lucide à chaque apparition, jusqu'à ce qu'enfin des phrases entières se forment. Oh Charles, je t'ai cherché dessous les 1000 couteaux. Je suis tellement désolé. Vous avez entendu parler d'un endroit connu sous le nom de Mademoiselle Couteau. Une vaste caverne dont le plafond est orné d'une myriade d'énormes stalactites, constitution de l'équipage à quelque chose. Constitution de l'équipage qui a passé la nuit. Donc, je dois faire un voyage.
chercher des réponses. Je dois rejoindre un port jusqu'au moment où je le fais. Un membre d'équipage souffre d'un strain à chaque fin de ronde. Oh là là. Oh là là. Oh là là. OK. OK, donc j'aime pas ça. Donc, enfin, bon, nanana, bon, Enemies Activate. Donc, lui s'active. Lance 3D. On va se rapprocher un petit peu. Donc, c'est trois mouvements. Il n'y a pas besoin de bouger. Donc, essentiellement, je vais en prendre deux pour pouvoir tirer. Donc, il me fait un de dégâts. Par contre, je suis-tu sur une note de navigation? Si c'était le cas, j'aurais rajouté des dés d'évasion. Là, ce n'est pas le cas. Donc, essentiellement, il me fait un point de dégâts. Et donc, le dégât va aller à 2. Donc, une autre affaire qui pète. Blam! Ça, c'est pas trop comique. Donc, il n'y a pas besoin de bouger à rien. C'est ça qui est merveilleux pour lui. Alors, ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc, c'est. Ça, c'est fait. On avance l'agenda. Donc, retour à 3. OK. Et c'est toujours à moi. Donc, je vais reprendre deux navigations, un crew. Puis là, faut que je m'en aille de là, là. Je peux pas rester là. Donc, je vais prendre un crew. Je vais déplacer mon navigateur vers l'arrière. Je vais faire une navigation de deux points. Un, deux. Je vais faire une autre navigation. Et là, j'arrive à Festerbury. En arrivant à Festerbury, je me fais un trésor. Oups, vous ne l'avez pas vu. Donc. Je me suis déplacé jusqu'à Festerbury. Là, je viens de prendre mon trésor. Donc, mon trésor, ça va être quoi? Ça va être. Il faut que ça soit un shanty. Donc. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup des shanty. Oh, Leave Her Johnny. Là, c'est ça. C'est toujours des pièces musicales, finalement. Qui valent absolument rien à Tides Mouth, mais à Festerbury, ils valent 5 chèques. Ouais, c'est pas une fortune, mais bon. OK. Donc, je suis rendu là. Je tourne un Denizen. Donc, c'est un Notice Board. Donc, incident. De temps en temps, les locaux vont y attacher des requêtes pour n'importe quelle arme entrepreneuriale qu'ils peuvent faire. Donc, voilà. Alors, on teste le plus haut des ports. Donc, j'ai 7. Ah. J'ai lancé un 2. Puis lui, Burdensome, c'est. Je crois qu'il fait ça à moins 1. Ça. Moins 1 to fight die result when engaging services. Donc. Essentiellement, c'est réussi. Donc. Je prends un passager et un travail. Draw one passenger and one labor. Donc, ça, c'est là-dedans. Alors. Comment je fais pour savoir si c'est un labor? Alors, c'est pas ça. Ah oui, c'est ça va être écrit.
Donc, c'est pas ça. Non. Story. Turn 8. On est pas en avoir un. Labor, donc Night Watchman. Et Everett Nagle. Donc, j'ai été chercher ces deux-là. Donc, on va commencer par le Night Watchman. On va le mettre sur le dessus comme ça. Ça va être plus simple. Alors ici, soyez vigilants pour n'importe quel comportement suspicieux. Il y a eu une série de vols dans la zone récemment. Si quelque chose arrive, faites juste sonner l'alarme et nous allons arriver. Alors, je dois souffrir de deux strains. Donc, on va donner ça à celui-là ici, tiens. Deux strains et je prends 15. 15 sous, ce qui risque d'être très utile à un moment donné. Donc, celui-là, c'est fait. Et là, ici, j'ai un passager. Donc, Everett Nagle. Donc, je dois l'emmener. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce que je dois l'emmener à Tide Smout. Si je l'amène là, je collecte la reward qui est en bas. C'est ça que ça veut dire. Alors, on dit ici, raconter des histoires et filer des histoires est mon métier. Mais une fois que les gens ont entendu tout ce qu'il faut dire, l'argent se tarit. Si vous m'emmenez à temps, je vous et peut-être être partagé avec peut-être le partager avec vous quelques-uns de mes exploits palpitants le long du chemin. Alors voilà, il doit l'emmener à Tidesmouth. Donc je la place dans passager ici. Et là, je place une petite tête de passager dans mes cabines. Donc je ne peux plus aller dans mes cabines. C'est ça que ça veut dire. Et là, je vous rappelle que ici dans ma journée, je devais aller jusqu'à un port. Donc je collecte la reward 53. Donc ça s'en va là. Non. Ça, c'est une story, donc elle va aller là. Alors, je collecte la 53. Alors, ça, c'est un épilogue. Alors, voilà. Alors, ça, c'est toujours dans l'histoire de l'esprit. Alors, on va revenir dans une conscience un petit peu plus... Et donc, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est pas pire comme application, là, mais... Les 1000 couteaux sont un spectacle impressionnant. Alors, les 1000 couteaux sont un spectacle impressionnant. Sa gueule colossale et sa verrière acérée comme un rasoir inspiraient à la fois révérence et terreur. Non loin dans la grotte se dressait le premier spectacle sombre, les restes d'une femme, face contre terre dans le sable détrempé. Le deuxième spectacle mélancolique était dissimulé mais non loin du premier. Les restes squelettiques d'un autre couché contre le froid, pierre mouillée, une montre de poche avec l'inscription « À mon chéri Charles, votre pour toujours. » Agatha, enterrant les corps dans une tombe commune, vous espérez que les bas perdus, que les pauvres perdus trouveront enfin la paix dans la terre. Donc ça, c'est l'épilogue. Donc, c'est écrit ici, « Tous les membres de l'équipage enlèvent leur strain. » Et je gagne 3 indices. Donc là, on va pouvoir aller échanger des indices. C'est ça qui est super le fun. Donc, vu que je suis dans un port, je vais. Mon navigateur va aller à l'université. Je vais prendre 5 clous. 1, 2, 3, 4, 5. J'avance la discovery de 1. Lui, il
ici va. Ça, c'est numéro 1. Non, attendez. Numéro 2 va aller. Jouer. Coûte 5. Puis lui, quand il va jouer, c'est correct, c'est le dé en tant que tel. 2. Alors, je perds 10. Donc, j'ai plus d'argent. Ça va mal. Oh, qu'ils sont mauvais, là. Ils sont mauvais. Est-ce que je peux faire d'autres choses? Non. J'aurais dû aller réparer, en fait, mon vaisseau, puis mon navire, puis c'est pas ça que j'ai fait. Tata, rare, on s'entend. Donc, voilà. Je peux pas revisiter le port tout de suite. On s'entend. Donc, c'est les ennemis. Alors, je suis 1 à 1, 2, 3 de lui, donc il va essayer de me poursuivre. Il va essayer de m'attaquer, mais je pense qu'il peut rien faire. Si je me trompe pas. Ça, m'attaquer ici, donc il peut rien faire. Donc, ces deux résultats d'attaque, il va les utiliser pour se tourner comme ça. Oui, effectivement, il va se tourner comme ça. Par la suite, est-ce que j'ai d'autres choses? Se passe rien. Bon, l'agenda qui augmente de 3. Et là, ça sera un prochain round. Mais on va arrêter là pour cet épisode. Donc, ça se passe quand même pas trop pire. J'ai fait des petites erreurs. J'essaie de les corriger au fur et à mesure. Mais sérieusement, comparé à mes deux parties que j'ai faites avant, en fait, une partie et demie que j'ai faite avant, je dois vous dire que ça se passe relativement mieux que ce que j'ai connu avant. Enfin, bref, on verra la suite un peu plus tard. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça serait très apprécié. Allez vous abonner à la zone si, à la chaîne, en fait, si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre Facebook, notre Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Allez sur notre Discord pour, bien sûr, jaser, bavarder avec les membres de la communauté. Si vous voulez aider moi et Martin, nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à aller sur notre Patreon au www.patreon.com/zonejeuxdesociété. Et bien sûr, allez visiter le site web ou encore le magasin de notre commanditaire. La Pioche boutique de jeux, alors à Québec au 106 René-Lévesque Ouest à Québec, ou encore, comme je disais auparavant, sur le site web au www.boutiquelapioche.com. Et d'ici là, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très très bientôt.